Une vingtaine de pièces de xylophone communément appelées balafou. 10 hommes, 10 femmes, des baguettes en main. C'est le Big Band balafou. Sa spécificité, le balafon chromatique. Le balafon chromatique est une trouvaille de l'auteur-compositeur camerounais Babanga Niek, le fondateur du Big Band balafon. Son objectif, moderniser et valoriser les instruments traditionnels africains. Communément, les gens sont habitués à voir des fanfares de vent. Alors, le balafon est aujourd'hui un instrument moderne, un instrument universel qui peut vraiment servir à tout, à toutes les formes de musique, parce qu'il n'y a pas que des balafons traditionnels, mais aussi des balafons modernes, diatoniques, chromatiques, et des balafons vraiment au sens large, parce que même le djomolo, oui, est considéré comme étant un balafon, parce que notre définition du mot balafon, c'est un terme générique qui désigne tous les xylophones africains. Le balafon chromatique permet de jouer toute l'étendue des notes occidentales comme le piano. Ce groupe est composé d'étudiants et d'enseignants en musique qui ont été formés durant 8 mois à la pratique du balafon chromatique. Les initiés ont reçu leur diplôme et leur kit pédagogique. Le balafon vient des termes malinké, bala, instrument, et fort, son. Il est originaire du royaume Soso